m'appelle Christophe, je suis responsable de la société Mobile Board à Bordeaux. Donc, nous proposons des activités autour du Gyropod Segway, qui est un engin assez fabuleux sur lequel on est en équilibre sur deux roues parallèles avec un guidon. On se penche en avant pour avancer, on se penche en arrière pour reculer. On a le guidon qui nous permet d'aller à droite ou à gauche pour nous diriger. Et c'est très très sympa. Alors, présentation de la machine. Comme je vous disais tout à l'heure, donc nous avons deux roues parallèles, nous avons un guidon et nous avons une clé. La machine a une béquille à l'avant, parce que quand elle n'est pas activée, elle ne tient pas toute seule debout. Donc on enlève la béquille, la machine ne tient pas debout. Donc c'est cette petite clé qui nous permet de l'allumer. La machine se met en prise. Je l'active avec le pied et c'est là que nous avons des capteurs qui sont à l'avant de la machine qui la font avancer, à l'arrière qui la font reculer. Donc pour monter sur la machine, c'est très simple, on a une main ici, on met le pied après l'autre et voilà. Donc au niveau de l'équilibre, c'est très simple, c'est je me penche en avant, ça avance, je me redresse, ça s'arrête, je me penche en arrière, ça recule, et j'ai le guidon qui me permet d'aller à droite ou à gauche. Et bien c'est tout à fait facile à utiliser, il faut à peu près une minute et demie, deux minutes pour apprendre à savoir en faire. Après, pour commencer à vraiment maîtriser la machine, il faut à peu près 10 minutes. C'est l'engin, le moyen de déplacement aujourd'hui qui est le plus facile d'accès. Parce que le permis voiture, il faut passer un permis. Pour le roller, prend quelques gamelles avant d'y arriver réellement. Le vélo, on commence avec les petits trous et après on enlève les petits trous. Aujourd'hui, là on a juste deux roues, un guidon, deux minutes pour apprendre et on y va. Alors tout simplement, on a différentes formules, des formules d'initiation qui durent une demi-heure, qui vont on va voir un petit peu de la ville de Bordeaux, mais ça sert surtout à prendre en main la machine. On va pouvoir faire une heure de balade là pour le coup dans Bordeaux, donc qui comprend la formation et un tour sur les quais, un tour en centre-ville pour vraiment voir Bordeaux différemment. Et un tour de deux heures où là on fait tous les quais, on va dans le centre-ville et là ça devient vraiment vraiment intéressant. Alors les visites se passent très bien, c'est commenté, nous n'avons pas la fonction de guide mais on a quand même une connaissance de la ville, on a des photos, on a des fiches à montrer aux touristes de passage ou même simplement aux Bordelais qui veulent approfondir un peu leur connaissance de la ville et voilà. C'est un moyen idéal de se balader en famille. Il y a beaucoup de Bordelais qui viennent nous voir pour redécouvrir Bordeaux autrement. Parce que le Gyropod Segway, non seulement c'est fun, non seulement c'est facile d'accès, mais en plus on passe du bon temps. Alors que ce soit en famille, entre amis, il y a énormément de touristes qui eux connaissent déjà, ont pu déjà essayer dans d'autres pays, qui viennent chez nous pour découvrir Bordeaux de cette façon-là. Parce que en l'espace de une heure, on a le temps de faire un parcours qui, à pied, on aurait mis une après-midi. Donc là on a le temps, on peut s'arrêter, on peut regarder, on prend des photos et en plus on s'amuse. Alors le Gyropod Segway existe depuis environ 10 ans aux États-Unis. C'est arrivé en France il y a à peu près 2-3 ans. Nous ne faisons pas uniquement des balades en dehors de Bordeaux. Effectivement, s'il y a des groupes qui veulent, on peut se déplacer avec les machines, ça rentre dans les voitures qu'on a et on se déplace, on vient et on intervient. Mais on agit aussi au niveau des entreprises ou des particuliers, pour par exemple de l'événementiel, où on nous demande des prestations pour animer tout simplement un événement. Nous faisons également du street marketing. Alors, le street marketing, c'est sur une de nos machines, on va pouvoir mettre un carénage où on va mettre une hôtesse dessus qui va pouvoir distribuer des tracts, des flyers, des échantillons. D'une marque en question. Et après, on fait également tout ce qui est séminaire d'entreprise. Donc, il y a toujours une partie séminaire, il y a toujours une activité. D'autres vont faire du kart.
Et certaines entreprises nous appellent pour faire du Segway. Donc là, ça peut être soit de la balade dans un village, dans des vignes, dans Bordeaux. Ça peut être des petits parcours qu'on va chronométrer. Ça peut être une chasse au trésor. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications. Alors, il existe une équipe de France de polo en Segway. Ce ne sont que des particuliers et qui, je crois, s'amusent vraiment beaucoup.